Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, good evening and welcome to this 20th Martin Ennals Award for Human Rights Defender ceremony. I will now ask our host, who hosts us this evening, the rector of the University of Geneva, to come on stage, Monsieur Jean-Dominique Vasselli. Je suis particulièrement heureux que l'Université de Genève accueille en ses murs et pour la première fois la cérémonie de remise du prix Martin Ennals. L'Université de Genève n'est pas cet espace clos consacré au seul savoir académique que pourrait suggérer cet auditorium qui nous reçoit aujourd'hui. Ces murs ne sont pas des limites qui viendraient borner notre capacité de réflexion et d'action ou qui restreindraient notre champ de vision et nous rendrait aveugles à ce qui se passe autour de nous. La complexité du monde nous oblige à accepter de nouvelles tâches. Je remercie à ce titre tout particulièrement la Fondation Martin Ennals, la Ville de Genève et les nombreuses organisations non gouvernementales membres du jury qui nous rappellent à tous le message ô combien essentiel chaque année de l'importance des droits de l'homme. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, les droits humains et le droit international humanitaire ne sont pas respectés partout. Vous comprendrez dès lors, Mesdames et Messieurs, qu'en cette année du 20e anniversaire du prix Martin Ennals, le besoin de protection et de reconnaissance des défenseurs des droits humains est plus important que jamais. Ces personnes travaillent en prenant des risques personnels immenses, énormes, pour mettre en œuvre les principes du droit international très concrètement, dans leur environnement, dans leur entourage, dans leur pays. Et c'est avec émotion que nous accueillons ce soir les trois nominés du prix Martin Ennals 2013. Mario Joseph. Mario mène un combat pour la justice, malgré les dangers qu'il encourt, et vous saurez que la Cour interaméricaine des droits de l'homme a prononcé des mesures protectives en sa faveur en 2012. J'accueille aussi Mona Saif, une jeune femme égyptienne. Mona a attiré l'attention internationale en s'exprimant sur les réseaux sociaux et en rapportant en direct les événements de la place Tahrir en 2011. Le troisième nominé du prix Martin Ennals 2013 est un groupe, le Joint Mobile Group, que j'accueille avec plaisir. Ce groupe travaille avec des avocats volontaires pour enquêter sur des abus commis en Tchétchénie. Ces personnes, pour des raisons de sécurité, se rendent sur place pour de très courtes périodes, puis se retirent. Je vous remercie de votre attention. Bonne soirée. I will now ask Mrs. Saif, will you please come on stage so you can be given this prize? Yeah. Open it this way. Dear Mona, so young and so seasoned, I think your dynamism is something that we all can learn something from. I think you deserve it. Thank you. Here you are. الترشيح النهاردة ده مش ليا والجائزة اللي أخدتها مش ليا ده ترشيح لنضال عشرات من المتطوعين والمحامين ومنظمات الحقوقية اللي بيشتغلوا مع بعض بس أهم من ده كله كمان تكريم وترشيح لأهالي المحاكمين عسكريا اللي دايما في صدارة المعركة بجهودهم من يناير 2011 لحد دلوقتي أكتر من 15,000 مدني اتحكموا عسكري في منهم خرجوا من السجن وفي منهم لسه جوه الأيام دي الدستور بتاع مصر بتعاد كتابته وإحنا عاملين حملة بمساعدة ناس كتيرة جدا ضغط بالطالب بمادة تمنع تماما المحاكمات العسكرية المدنيين لسه المعركة قدامنا صعبة وطويلة بس الجانب الإيجابي إننا مش لوحدنا فيها زي ما كل الطغاة في العالم بيساعدوا بعض بيساعدوا بعض في التوحش وبيتعلموا من بعض شعوب العالم اللي مصرة ترفض ده بيساندوا بعض وبيتشاركوا اللي هم تعلموه ثورتنا وشغلنا جزء من حركة أوسع
من مصر لسوريا لتونس ولفلسطين والسودان وتركيا والبحرين والبرازيل. تحركات جيل كامل بينتفض كله رافض نظام عالمي قائم على الاستبداد والاستغلال والحروب وعايز يستبدله بنظام قائم على المساواة وحماية الحقوق والحريات. Thank you. Madame Salerno, Monsieur Salerno, Mayor of the City of Geneva, Monsieur Joseph. Monsieur Joseph, vous êtes un extraordinaire avocat en Haïti, dans votre pays. Vous défendez les plus vulnérables. Vous faites souvent triompher la vérité. Ce prix vous a été décerné par les des plus grandes organisations non gouvernementales des défenseurs des droits de l'homme. Vous le méritez amplement et maintenant je vous cède le micro. Merci. Merci. En mon nom personnel et celui de ma femme ici présente, au nom de mes clients et de mes partenaires nationaux et internationaux, je voudrais remercier le comité et du prix Martin Ennals, les organisations des droits humains qui font partie du jury, tant pour la considération généreuse de ma candidature que pour l'inspiration à supporter les luttes pour les droits humains en Haïti et à travers le monde. Je suis reconnaissant de l'opportunité de vous parler aujourd'hui parce qu'Haïti est souvent exclu des conversations autour des droits humains. On parle d'Haïti comme un pays où la terre tremble, les bâtiments tombent, les personnes deviennent malades. On dit qu'Haïti est le pays le plus pauvre des Amériques, mais je dirais plutôt que Haïti est le pays le plus appauvri des Amériques. Notre pauvreté n'est pas une caractéristique nationale, parce que les Haïtiens sont paresseux, mais le résultat d'une série de violations des droits humains, comme l'esclavage, suivi d'une dette illégale et injuste imposée par la France. Plus récemment, le régime des Duvalier, François et Jean-Claude, a violé nos droits civils et politiques. Et heureusement, grâce à l'effort mondial du mouvement des droits humains, Jean-Claude Duvalier est aujourd'hui devant la justice. Merci. And now, prior to handing its laureate the 2013 Martin Ennals Award for Human Rights Defender, Mrs. Pillay, the United Nations High Commissioner for Human Rights, will come to this stage. Excellencies, ladies and gentlemen, and fellow human rights defenders, authorities can no longer draw a veil across their attempts to deny the people their rights. Popular revolt is widespread in the world. People are claiming with even greater self-assurance the rights they know are theirs. This is unprecedented, ladies and gentlemen. It is due in large part to the internet and social media and is driven by a dawning realization that the state can actually be held accountable by the people. Mona Saif has bravely spoken out about torture and ill treatment of persons in detention. With her creative, sometimes aggressively feisty use of social media, I wish I could jump like you, Mona, to communicate and document violations of human rights, she represents a new generation of human rights defenders. As you have also heard, Maria Joseph is leader of the Bureau d'Avocats International. The BAI's legal training program is developing a whole new generation of skilled, motivated human rights lawyers. The third Martin Ennals nominee is the Joint Mobile Group. Through its investigations, the JMG has become one of the world's
main sources of information on human rights abuses in Chechnya. And so I congratulate all three of the nominees for their exemplary work in defending human rights in Egypt, Haiti, and Chechnya. You are bold, you are brave, and your achievements are an inspiration to all of us. I invite the audience to join me in applauding all three of you and through you, human rights defenders all over the world. Thank you very much. Mr. Igor Kalyapin, who represents the Joint Mobile Group. Для меня, безусловно, большая честь стоять на этой сцене среди финалистов премии, учрежденной в память наиболее выдающегося правозащитника столетия. Но не меньшее значение для меня имеет возможность представить вам большую команду людей, людей смелых, профессиональных, которые каждый день работают далеко от дома для того, чтобы обстановка в Чеченской Республике стала хоть немного спокойнее, для того, чтобы у людей, которые там живут, появилась надежда на справедливость, надежда на будущее. За 4 года, которые существует наша сводная мобильная группа, несколько десятков правозащитников, журналистов, юристов, просто гражданских активистов помогали нам работать в Чечне, в самом опасном регионе Российской Федерации. И до тех пор, пока эти люди нам доверяют, мы будем работать в Чеченской Республике, мы будем продолжать свою работу, чего бы нам это ни стоило. Спасибо. Mesdames et messieurs, mais surtout vous, les trois nominés du prix Martin & Nals 2013. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole ce soir devant vous à l'occasion de cette cérémonie de remise du prix Martin & Nals 2013. Les trois nominés au prix Martin & Nals se distinguent par la force de leur engagement et par leur courage. Madame, monsieur, votre courage, votre engagement sont exemplaires. Bien sûr, à travers chacun des trois nominés, à travers leur parcours et leur combat, je pense également ce soir à toutes les militantes, à tous les militants des droits humains traqués, menacés, blessés, arrêtés ou emprisonnés dans le monde. À l'occasion de cette cérémonie, c'est à toutes ces héroïnes, à tous ces héros de l'ombre que nous devons également rendre hommage ce soir. C'est grâce à elles, à eux, que la lutte pour le respect des droits fondamentaux, pour le respect de nos droits à toutes et tous, avance. Qu'ils en soient sincèrement remerciés ce soir.